Nouvelle vidéo, content de vous retrouver aujourd'hui. Un peu inquiétant aujourd'hui parce que Pandore, il a l'air de boiter. Il n'est pas très énergique et je sais pas du tout ce qu'il a. Si ça s'améliore pas dans la journée, je vais l'emmener chez le vétérinaire. Là, je sais pas si ça se voit. Voilà, il a tiré un peu, donc entre guillemets, ça me rassure. Mais sa démarche est étrange. Donc on va voir comment ça se déroule. Vous voyez ce qui est en train de m'arriver là? Il y a un chien devant. Ses maîtres ne veulent pas que Athéna aille vers eux. Et il y a les deux petits chiens derrière. Donc en fait, moi, je me retrouve à pas pouvoir lâcher Athéna. Voilà, super. Donc il va falloir que je me tape toute la côte là pour voir si je peux la lâcher. Et là, j'ai perdu. Enfin, elle est frustrée parce qu'en fait, elle veut jouer, sauf qu'il y a des maîtres qui veulent pas. J'ai envie de pleurer. Ça me saoule, ce genre de balade pourrie. Donc là, regardez, on sent quand même cette boîte. Hein. On le sent. Hein. C'est même difficile à savoir. J'arrive pas à savoir si c'est l'avant ou l'arrière qui le fait mal, qui lui fait mal, pardon. Mais voilà, on va rester vigilant. J'ai fini par lâcher Mademoiselle Athéna. Je crois qu'elle est quelque part par là. Je ne sais pas où. J'évite de l'appeler en fait, parce que après elle va être sourde. Et le souci, j'ai le monsieur avec le petit chien là. Athéna, elle va sûrement aller le voir. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais avancer. Hop. J'avance. Hop, elle était là. Toujours dans les parages, celle-là. Ouh là là, c'est la folie, hein. Non, franchement, les balades en laisse, c'est plus possible. C'est plus possible. Quand ton chien sait faire, allez, je vais faire une petite partie de cache-cache pour le plaisir. Objectivement, je pense pas qu'est-ce qu'il a, c'est très grave. Je pense que c'est comme un humain ou un animal, voilà quoi, qui se fait une petite élongation, une petite douleur musculaire. Je sais que c'est ça potentiellement, il a dû sprinter à froid tout simplement. D'ailleurs, si c'est pas fait, abonnez-vous parce que la plupart des personnes qui regardent nos vidéos reviennent régulièrement et ne s'abonnent pas. Donc si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, bah, ça fait plaisir. Hein. Il est trop bien accroché, c'est pas son Et ça, c'est une bonne vidéo, hein. Un husky qui boite avec une poubelle. Franchement, on pouvait pas faire mieux. Bon, là, depuis tout à l'heure, il me tire vers là-bas. Je crois qu'il a senti une odeur, hein, tout simplement. Il a l'air de vouloir taper son meilleur sprint. Donc bon, ça me rassure par rapport au début de la balade où il était mollasson complètement. Là, il reprend du poil de la bête. Mais encore une fois, on fait gaffe. Et ça va glisser. Allez, viens. Retente. Allez. Athéna! Elle s'est fait une copine d'Eddie. Les deux en liberté, c'est parfait. Ah bah, on s'est croisés, hein. Ça devait bien arriver dans le même parc au bout d'un moment. Athéna avec sa petite liberté, hein, parce qu'il n'y a pas de problème. Pandore, il boite, donc c'est compliqué. Si vous allez en vitrine, en vitrine, il y a des bouquins. Il y a des bouquins, mais il n'a jamais fait. Donc il n'a même pas dit stock. Il n'a pas dit stock, intéressant. Elle est en train de le chercher. Mais lui, c'est pas intelligent si on le fait courir. Bon, là, depuis tout à l'heure, il presse pas trop le pas. Pas parce qu'il est fatigué ou qu'il a mal à la jambe. Hein. Il a toujours mal. Mais juste parce qu'il y a Athéna de ce côté-là, bah, c'est très compliqué de les séparer à chaque fois. Hein. On en a pris deux. Et ils sont de la même portée, donc bah, très attachés l'un à l'autre. Ça, c'est un petit problème qu'on a. Et c'est pour ça, justement, qu'on fait des balades séparées. Pour réduire, en fait, cet hyper-attachement, tout simplement. Qui a fait de la full liberté aujourd'hui. Je ne l'ai pas attaché une seule fois. Je suis trop trop contente. C'est là où ça paye, c'est le feu. Franchement trop trop contente. Là on a dû, le parc s'est fermé sur nous, on a dû partir en vitesse. La balade avait trop trop mal commencé, j'étais en train de me plaindre que rien n'allait. Et finalement j'ai croisé un gentil monsieur, j'ai croisé... 4 chouettes personnes finalement. C'était trop bien. Et Athéna, elle est trop contente du coup. Mais rela laisse en ville, hop. Mais là, franchement, elle a fait 2 heures de balade en liberté, donc c'est top.
Top, top, top. Et petit Pandore, ça reprendra dans 3-4 jours le temps que sa boiterie se calme. Oh là là, ça c'est le meilleur moment après la balade. Maintenant, on attend qu'on ait assez. Allez, après 2 heures de balade, ça prend fin notre journée d'aujourd'hui. On vous fait des bisous. Athéna, tu veux des bisous? Oui. Et voilà, je vous fais des bisous. Bisous.